Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver pour faire la suite de ce Ni no Kuni, ça faisait tellement longtemps, j'avais tellement envie de faire la suite, j'ai attendu beaucoup trop de temps pour continuer ce Ni no Kuni qui en plus est un jeu assez long, donc je pense qu'on n'a pas fini et c'est pas pour me déplaire parce que ce jeu est vraiment d'enfer. Donc bonjour Bloody Ways, bonjour Monsieur Chat, bonjour Théodrem, bonjour Hécaton Shire, bonjour Shanarim, Fiole, Ling, Nimelia, salut tout le monde, c'est la pause où ça n'a pas encore commencé, ça n'a pas encore commencé Fioling, ça commence à peine, donc bonjour à tous, merci d'être présents donc, sur ce live de Ni no Kuni, si vous n'avez pas vu le début c'est pas grave, peut-être un petit résumé, on va dire, donc on est dans le monde de Ni no Kuni, donc notre héros qui s'appelle Oliver, est passé d'un monde à l'autre, d'abord il est parti du monde réel, il a découvert qu'il y avait un espèce de monde parallèle dans lequel il y a tout voilà, des villes, des fées, des créatures, etc. De la magie, notamment, dont on peut se servir avec une baguette magique. D'ailleurs, on a récupéré un habit de voyageur magnifique avec une cape rouge, vous allez voir, c'est fantastique. Et... salut tout le monde, salut... Ah, salut Orwendi, Hakuna Matata, salut Xenamen, salut Motokos, salut Sam Fischer, salut Mandalore, salut Afrejojo, salut à tous ceux qui arrivent maintenant. Et du coup, je disais, donc, on est revenu là dernièrement, la dernière chose qu'on a faite, c'est qu'on cherchait donc, le roi chat, qui s'appelle le roi Sacha, comme dans Pokémon, mais avec un C. Voilà, donc on cherche le roi Sacha qui du coup a une espèce d'âme jumelle, d'âme sœur qui vit dans l'autre monde, donc le monde parallèle, c'est-à-dire le monde réel, qui est un roi chat dans le monde de Ni no Kuni, qui est un chat, un gros chat tigré dans le monde réel. Et du coup, on l'a retrouvé dans un garage. Et du coup, là, je fais une petite transition. Voilà, on est dans cette épicerie où on a retrouvé donc le chat tigré. Je vais reprendre la manette d'ailleurs. Ce gros chat tigré qui du coup est le pendant du roi Pacha dans le royaume de Ni no Kuni, dans la ville de Karaba, la sorcière. Et du coup là l'objectif c'est d'aller chercher les souris à Karaba, parce qu'on s'est dit, vu qu'on a trouvé le chat de l'épicerie en train de chercher les souris, techniquement, logiquement, le roi... Ouh, j'ai failli me faire écraser par une voiture. Ah, c'est dangereux, me laissez pas traverser la route comme ça. Mais en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de changer de monde. Du coup, on va faire un portail pour aller dans le monde de Ni no Kuni. Abracadabra. On n'a rien vu. Oliver. Théodrem, c'est Oliver. Avec du beurre. Par contre, la musique est un peu forte. Attends, mais dites-moi... N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui sont trop fortes, si on m'entend pas bien, si la musique du jeu est pas assez forte ou quoi que ce soit. Ah, je trouve pas le volume. Ça y est, il est là. Voilà, c'est bon. Fouette Atomium qui sortir de Firewatch de la part de toute sa communauté Stipli. Pour sortir de Firewatch? Mais attends, Monsieur Chat, j'ai pas compris, parce que Firewatch, c'est super bien. Alors, je disais, du coup, on va essayer de trouver des souris, parce qu'on s'est dit, voilà, si le chat, dans le monde normal, chassait les souris... souris, je vais y arriver, le roi de Karaba est sûrement en train de chasser les souris, et si on cherche les souris... Si on trouve des souris, on va sûrement trouver le roi Sacha. Salut tout le monde, je passe faire un petit coucou étant donné que Mako supportera pas la qualité source. Ah dommage Josh Castle, je suis désolée, en plus j'ai pas encore le changement de qualité, mais il y aura une VOD sur YouTube qui sera de toute beauté normalement. En 60 images par seconde, 1920 par 1080, etc. Je me suis dit que ce serait un sacrilège que de faire ce jeu en moins bonne qualité parce qu'il est quand même assez magnifique. Les animations Ghibli, alias Ghibli, faites par Ghibli sont assez incroyables, les décors sont magnifiques, et en fait tout est assez beau. Oh, je suis allée trop loin. Excusez-moi. L'étoile, elle est... Attendez, je regarde ma carte. L'étoile, elle est... Comment je fais pour déjà regarder ma carte? Non, pas comme ça. R1. Ah oui, d'accord. Autant pour moi. Autant pour moi. Salut, salut, bonjour à tous ceux qui arrivent, salut Juxor. Boom, game over, fin du live. Pas du tout, Monsieur Chat. Mais pas du tout. Tout va bien. Salut Bibis47. Salut tout le monde.
Mais les follow un peu plus gros, je les vois presque pas pour les remercier. Ah, attends, ça peut se régler. Hop, 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 poussez-vous! Poussez-moi, écartez-vous! Non. Excusez-moi, poussez-vous. Non, je sais plus comment c'est. Voilà, normalement, il devrait être plus gros, là. Normalement, ça devrait être bon, Mister Théodrème. Ah, mais oui, fallait voir Monsieur Tom 3 pouces. Est-ce que c'est avec lui qu'on va aller chasser les souris? Je crois que je viens d'entendre la voix du roi Sacha. Elle venait de Caramba. Énorme! En fait, Caramba, c'est la ville, et Caramba, c'est le bas de Caramba. C'est rigolo, c'est très drôle. De Caramba? Ça fait un peu carambar. J'espère qu'il va pas me sortir des blagues carambar. La voix venait derrière cette porte et c'était celle du roi Sacha, j'en suis sûre. Caramba, tu as bien dit qu'il y avait des souris qui vivaient là, non? Oui, il y a plein de souris là-dedans. C'est pour ça que je monte la garde à cet endroit. Ah bah on aurait presque pas eu besoin de retourner dans le monde normal en fait. Monsieur Tom 3 pouces, il sait où est le roi. Salut Flop, salut tout le monde. Poussez-vous, excusez-moi. Poussez-moi, excusez-vous. C'est ça, c'est le théodrème. Poussez-moi, excusez-vous. Et Caton Shire qui a trouvé aussi. Le roi Sacha s'est fait kidnapper par les souris. Quoi? Il y a tellement de souris qui s'est fait kidnapper? Oh mon dieu. Eh bien dans ce monde, c'est l'inverse. Ah, oh, sans déconner. Dans ce monde, c'est l'inverse. Ça paraît logique. Ça paraît logique dans le monde réel. Le chat chasse les souris dans... Dans le monde de Ni no Kuni, c'est les souris qui chassent le chat. Il faut le sauver. Viens, on descend à Caramba. Caramba. Pourquoi j'ai pas pensé à ça en premier? Ce n'est pas un travail pour un si jeune héros avec une casserole en guise de casque. Te moque pas de lui, en fait. Il t'a rien fait, enfin. Oh, je ne risque rien. J'ai mon ami avec moi. C'est qui ton ami? Oh, il est trop mignon! C'est un Wistiti! Il est un familier comme nous! C'est trop chou! Ski the Bringer, les VOD se trouvent sur la chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Red Fanny. Voilà. Il s'est fait chat-napper, c'est ça Théodrème. Kidnapper, c'est pour les enfants. Donc cat-napper, c'est pour les chats. C'est très compliqué de se battre avec des familiers. Oui, on a vu ça. Une personne lambda ne... Ah pardon. Oh là là, excusez-moi, j'oublie de faire mes voix. Mais plus rien ne va plus. Une personne lambda ne peut pas se jeter dans la mêlée et commencer à leur donner des ordres. Il faut être magicien comme Oli. Bon d'accord, Oliver. Je te confie... Oh, on a un nouveau familier. Oh, trop bien. On a un nouveau familier. Genre, en fait, lui, il sait pas s'en servir. Whiskity. Oh, Whiskity, Monsieur Chat, c'est un très joli nom. Attends, attends, je cherche. C'est vrai que Whiskity, c'est pas mal. Ou Chastity, Catstity. Ah, j'hésite, qu'est-ce qu'on met comme nom? Qu'est-ce qu'on met? C'est un singe, c'est un Whiskity. Ookity, ça peut être pas mal. Ou Ookity en plus... Alors attends, comment je fais pour écraser? Je pense qu'il faut juste que je revienne en arrière et que j'écrase par-dessus. Atonion. Et Chiat en train de dire qu'Atomium ressemble à un Whiskity, c'est pas très gentil. Raquette de familier. C'est ça que Xenamen, c'était son animal. Genre, mais non, en fait, toi, tu sais pas gérer les animaux de compagnie. Rends-le-moi, file-le-moi, moi, je sais m'en occuper. Mais c'était le mien, c'était mon singe. Je l'ai élevé au biberon. Je l'ai vu naître. Oui, non, mais tu sais pas bien t'en occuper. File-le-moi. Alors... Allez, un Ookity, pardon, mais Chastity, ça me fait penser à autre chose. NKL ne parle pas de choses sales. On est sur un live 9-12 ans sur Ni no Kuni. Attendez, je sais plus comment on fait les minuscules. Où est-ce que c'est? Minuscule select. Yes! SOS Whiskity. Oh, Nimelia, c'était pas un jeu de société que, quand on était enfant, ça? Ça me parle. Attends, où... Ookity, ça me paraît pas mal. Oh, Ookidooki, c'est pas mal. Ookidooki. J'aime bien, attendez. Ookie. Ookie, il est où le Ookie? Où est-ce qu'il est le cas? Ookie. Ookidooki. C'est pas mal, ça. Ou j'enlève les U.
Non, Okidoki. Mais c'est un peu long, Okidoki. Red Stitty. Non seulement il lui vole, mais en plus il lui donne un nouveau nom, j'avoue, Igokoe. Willy Stitty. Mais laissez Atomium tranquille. Kirikou. Ah, c'est vrai, c'est pas mal ça, Kirikou. Ah, pour le prochain, peut-être. Puis en plus, ça fait un peu genre Kirikou, il est noir, on lui donne un nom de singe, après la communauté va se retourner contre moi. Et elle aurait pas tout à fait tort. Comment je confirme? Comme ça? Oui. Ukidoki! Allez, j'aime bien. Ukidoki, ça me fait penser à Beat the Rhythm. Ah, c'est le jeu de rythme. Le jeu avec la musique. Il me semble que je connais. J'aime bien Ukidoki. Ça fait genre... quand tu veux acquiescer, en fait, comme tu envoies ton Pokémon, tu fais... est-ce que tu veux venir à la soirée ce soir? Chla! Ukidoki! C'était nul. Ça veut dire quoi alors exactement, Monsieur Lumi? Eh bien, ça veut dire qu'il accumule de la force pendant un petit moment pour pouvoir donner une bonne raclée aux ennemis. Ah! Une fois qu'un familier est bien concentré, au lieu de le faire attaquer normalement, on le fait lui entrer en frénésie. Ah, ça me fait vraiment penser à Pokémon. Hein. Rafiki! Oh, Rafiki, c'était une excellente idée au théorème! Je sais pas si je peux encore renommer. Travail terminé! Quand un familier entre en frénésie, il attaque pendant plus longtemps et il cause bien plus de dégâts. C'est un peu le mode berserk en fait. Ça a l'air génial! Il y a encore mieux, mon petit Oli. Ta nouvelle technique te permettra aussi de contrer des actions des ennemis plus facilement. J'ai l'impression que je fais pas la même voix que d'habitude pour Lumi. Je me faisais plus mal à la gorge d'habitude. Contrer leurs actions? Eh oui, mon petit gars, j'aurais peut-être dû te parler de ça un peu plus tôt. Tu vois, certaines créatures ont des talents assez balèzes. Mais si tu les dérouilles, alors qu'elles se préparent à les utiliser, elles ne pourront pas passer à l'action. Ça s'appelle un contre. Ah pardon, je crois que c'est Lumi qui parlait. Je peux le faire. Oui, le jeu de rythme, t'as un niveau avec des singes qui chantent Ukidoki. Ah, c'est pas mal en fait, Dimelia. Je savais même pas pour la... Recherche ta save. Oh non, Théodrome, c'est pas grave, il s'appellera Ukidoki. Le prochain, si on a un singe, je l'appellerai Rafiki. Et les contres sont bien plus faciles à exécuter en frénésie, alors c'est un bon moyen d'éviter les mauvais coups. Le truc, c'est que les familiers qui peuvent utiliser la concentration ne connaissent pas la défense. Ah, c'est risqué, c'est risqué. Lol, la voix de... C'est Patty et Selma, c'est ça Théodrome, à la fin de la journée, à la fin du live, j'aurais plus de voix en fait. Coucou Gantinox. Sans doute. Ok. Donc j'ai appris un nouveau truc. Ah par contre c'est derrière qu'il faut que j'aille? Ah non non, c'est bien là. C'est juste que j'étais... Ma caméra était dans le mauvais sens. Oh. J'adore ces dessins sur les murs, ça me fait vraiment penser à Alice Madness Return. Avec les dessins quand on passe en mode petit. On dirait que la porte est bien fermée. Ah, il va falloir une clé. On n'a pas de clé. Allô, Mora. Comment ça marche pas? Ah, mais oui. Ah oui, on a crochetage. On a crochetage, le roi qui nous donne le sort de crochetage, c'est assez ouf. Les follows sont encore trop petits? C'est un déconné? Mais attends. Comment je peux faire ça? Follow... Je peux faire plus gros, attends. Ah non, je peux pas changer la taille. Ah mince. Non, j'ai pas l'impression de pouvoir changer la taille. Ah si, là-dedans, pardon. Voilà, normalement ça devrait être plus gros. Attendez, je fais un test. Ah, je peux faire encore plus gros. Voilà, là c'est plus gros. Ça devrait aller mieux, j'espère, Théodrome. Je me remets le chat. Je suis désolée pour cette petite interlude. Elle fume, Fanny. et tu as seulement quand je dois faire la voix de Lumi. Alors, ok. Donc, je fais mon sort qui se trouve être là. Crochetage. Le roi qui nous donne le sort pour pouvoir tout pirater dans son royaume. Tip top, c'est ouvert! On peut aller chercher le roi maintenant. Pour sûr, entrons mon petit Oli. Oh, à ce propos, tu peux utiliser ce sort pour ouvrir les coffres fermés à clé aussi. Ah, bonne nouvelle. Les coffres bleus, crochetage, on pourra tout piller. C'est ça, en fait, le roi, il nous a vraiment filé un sort pour tout piller, quoi. Encourager le vol, c'est mal. Mais j'aime bien le sort crochetage. Dans Morrowind, je crois que j'ai crocheté absolument toutes les serrures
de l'île, du continent. Ou quiconque risque de se faire botter. Oh, c'est très joli. C'est très très joli. Nom d'une fée, c'est humide comme tout, là en bas. Ma lanterne va devenir toute moisie si je fais pas attention. En même temps, quelle idée d'avoir une lanterne au bout du nez. Elle pourrait vraiment moisir. Oh là là, abricadabrouille. Les expressions sont toujours plus folles dans Ni no Kuni. Il va falloir faire attention à toi à partir de maintenant. Alors attendez, je regarde juste... Ah mince, j'ai pas mis mon... Putain. À chaque fois, j'oublie de mettre mon alerte. Théodrem, dis-moi, please help, ça fait combien de temps qu'on est en live que je remette mon alarme? Il va falloir faire attention à toi à partir de maintenant, mon gars, les choses pourraient se corser. Entendu, monsieur Lumi, c'est promis. Ok, on va faire attention. On va peut-être sauvegarder, je peux pas sauvegarder là. Il y a un monstre qui vient vers toi. C'est vrai que j'ai pas sauvegardé. Plus facile avec deux petites fripouilles dans ton équipe. C'est vrai que maintenant j'ai deux familiers, on s'est pas encore entraîné. Bon, tant pis. 26 minutes, ah merci Echia. Je vais arrêter dans pas longtemps alors, enfin faire une pause je veux dire. Ah, je peux pas les lancer en même temps? D'accord. Deux fois plus de familiers, c'est deux fois plus de possibilités et deux fois plus de rigolades. Ça marche. Faire défiler les familiers, appuie sur L1. Ok, c'est bon, c'est écrit en haut. Tant mieux. Ok, c'est bon, d'accord. Je crois que je vois. Même pour toi? Comment ça, même pour toi? C'est assez simple. Tu me traites de nul? Moi, je veux faire aiguisage. Mais attends, ça fait quoi, aiguisage? Ça augmente la vie? Oula, j'ai presque plus de vie. Oulala, oulala. Oh non, j'ai perdu. Sans déconner. Je me suis fait exploser. En effet, dans ces bas-fonds, c'était assez tendu. Bon, du coup, comment je fais? Parce que là, j'ai sauvegardé il y a longtemps. Si je fais continuer, je paye, c'est ça, hein? Je vais faire continuer, c'est pas grave. 31 florins. Ah, ça va, 10% de mon argent, c'est pas non plus très cher. Ouah, Fanny, t'as encore refait une couleur? Ben oui, à L6. Bon, ça va. C'est pas trop trop horrible. Par contre, je peux pas sauvegarder, là, on est d'accord. Attends. Non, c'est toujours pas ça. Non, je peux pas sauvegarder. Je vais peut-être revenir en arrière le temps de sauvegarder, attendez. Parce que là-bas, je dois pouvoir sauvegarder. Même si ceux-là sont beaux... Enfin, mon premier live avec Fanny en ligne. Ouais, V-Link, bienvenue à toi. Tu arrives au moment du fail, ça me va pas du tout. Allez, start. Voilà. Minou! Non mais... Chat. Mais non mais, chaton. Ah là là. Le chat veut live lui aussi. Écraser les données, oui. Bon, il faut que je pense à sauvegarder. Recharge et rename Rafiki. Mais non, Théodrem, je vais pas tout refaire. C'est pas grave. Voilà, c'est bon. C'est fait. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Oui, ou... C'était comment déjà? Ou kiki? Non, okidoki. C'est parti, mon okidoki. Allez, baston. Baston! J'ai juste vérifié si Red Fanny a mis son casque à l'endroit. T'as Jim là-haut, mais je te jure, mais un jour je vais... Ah, mais en fait, je crois que je suis programmée pour le mettre à l'envers. Mais heureusement que tu es là. On va lui régler son compte. Lui régler son compte. Si besoin, j'ai déjà terminé le jeu, je pourrais donner des conseils. Ah, je veux bien, V-Link. Ça marche. Surtout que je viens de failer à mort. Trop mignon le chat. Ah, Mogi. Je lui dirai, il sera très content. Bon, par contre, là, je vais peut-être y aller par moi-même. Pour pas prendre trop de risques. Ok, ça marche. Attends. Je vais penser à me soigner aussi. Ça peut servir. Attends, pour l'instant, je fais une petite boule de feu. Voilà. Banzai. C'est déjà pas mal. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Attends. Sors. Premier soin. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Voilà, ça va un petit peu mieux. Non, mais pourquoi je fais attaque? Je clique trop vite.
Boule de feu. Vas-y, bats-toi. Allez, une orbe. Ouais, super, une orbe. Boule de feu. Banzai. Il y a Lumi qui esquive là-bas au fond. Peut-être pas boule de feu, là, je peux le finir comme ça. Merde, attends. Attaque. Voilà. Une fleur sur le casque pour savoir dans quel sens le mettre. Bah oui, mais Théodrème, je changerai de sens la fleur aussi. Et il a quand même monté de niveau. Ah, c'est pratique. C'est quand même pratique. Ookidooki atteint le niveau 2. Ookidooki. Salut le chat, salut Fanny, salut Bloomblocks. Bloomblocks. Bon, attends, par contre, là, je peux manger un peu de pain, normalement, dans mon sac sans fond. Voilà, on va me refaire un petit peu de la vie. Voilà, ça va beaucoup mieux. Ok. Bon. Là, maintenant, on joue bien. C'est pas si évident, hein. C'est pas si facile que ça. Le mieux, c'est quand même de combattre avec ses familiers. Bon, d'accord, Vivink, je vais combattre avec mes familiers. Ça marche. On va quand même essayer Ookidooki. Allez, vas-y, Ookidooki. Ah, il se fait bien, hein, il se fait bien Ookidookié quand même. Hein. Il a un petit peu du mal. Faudrait que je fasse plus de défense peut-être. Attends, j'échange. Voilà. Attends, l'amératique. Voilà, parfait. Zaaaa Banzai. Ouh, ça, ça fait mal. Ah, il est quand même fort mon petit pogno. Oups, oups, oups. Ouais, c'est bon. Attendez, par contre, je vais me faire un soin de vie, là. Ah, mais j'ai plus rien. Attends. J'ai plus de vie. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, une orbe, une orbe, une orbe. Parfait. Ça, c'est très bien. Merde, attendez. Du pain blanc, c'est très bien. Oh, je peux... Oh, je savais pas que je pouvais manger en plein combat. Ça, ça va être très, très bien. Oh, non! J'étais presque... J'étais presque. Ah non, en plus, je vais devoir rebattre le premier. Oh, ce fail. Ce fail. Je suis pas assez bon niveau, hein. J'aurais pas dû battre avec mes familiers. Bon, je vais pas utiliser mes sous cette fois-ci. Content de réussir enfin à avoir un live en direct. Bah oui, mais Bloomblocks, tu arrives au moment où je fail. Chaussette, je suis au niveau 2. C'est ça, je dirais que je l'ai pas fait cette fois-ci. Olivier est là en dernier recours lorsque tu n'as plus de familier pour éviter le corps à corps. Oui, mais Vilink, en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est en fait mes familiers, faut que je les rappelle juste avant qu'ils tombent de fatigue, hein, c'est ça? Parce qu'en fait, quand ils tombent de fatigue, j'ai quand même perdu. Chargé. Faut que Fanny up, elle est trop bas level. Ah, c'est pas faux, Ornigo, faudrait peut-être que j'aille monter un petit peu de niveau. Vous allez me filer mon niveau? Chaussette! Va farmer dans la forêt au pire. C'est pas une très mauvaise idée. Je peux aller peut-être combattre un petit peu. Bon, en même temps, ça va vous saouler, non? Si vous voulez, je peux raconter ma vie pendant ce temps. La 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 la. On va aller battre un petit peu du mob. Pour que je monte des niveaux. Bah, surtout faire monter mon Ookidooki. Parce que mon Ookidooki, il est quand même bas niveau, là. Et il me sert pas à grand-chose, en fait. Oui, c'est ça, Fanny. Tout à fait, où tu jongles entre les deux. Ah, parce que V-Link, si après je change de familier, l'autre se régénère. Ça, j'avais pas intégré. Je savais pas qu'il se régénérait tout seul. Allez, un petit poussin. Comment ça s'appelle déjà? Poussifeu? Non, Poussifeu, c'est dans Pokémon. Pioupillon, pardon. Pioupillon! Ok, Nayo. Allez, on va faire battre lui. Ah mais oui, j'ai concentration, je l'ai pas utilisé. Mais je suis trop nue, trop une noob. Lorb, 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 lorb. Ouais. Faut que je teste la concentration, je suis bête. La décoloration. Non, j'ai pas cette attaque-là, monsieur chat. Ah mais oui, mais il est niveau 1. Mais c'est pour ça que je me suis fait exploser. Forcément. Ah, il y a un truc qui brille là-bas. Qu'est-ce? Quoi que qu'est-ce? Oh, Orangelle des plaines. Moi, je cueille les fleurs. On va cueillir des fleurs. Comme dans Don't Starve. Pour me ramener un petit peu de morale. Mais il s'enfuit. Espèce de flippé. Enfin, un chat. Un chat contre des poussins, c'est cruel.
Mais non, mais c'est pas un chat, c'est un ouistiti. Attends, concentration. Frénésie. Ah mince, non, il a raté là. Je suis endormie. Ouais, c'était dangereux. Blorb, 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 blorb. Allez, allez. Ah, ah, zut. Le grand secret sur Red Fanny, la couleur naturelle de ses cheveux. C'est ça, Etchia. Je suis née avec les cheveux roses, les médecins ont eu très peur. Il ressemble plus à un lémurien. Ah, c'est pas faux, Ornigo. Il est niveau 1, c'est jamais une excuse, Mandalore. Mais si, un peu quand même. Un peu, un petit peu. Bah, je vais attendre qu'il soit au moins niveau 2-3. Où est-ce qu'elles sont, les bébêtes? D'habitude, je cours pour les éviter, et là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ah, venez par là, les bébêtes. Lion chiot. Yosh, kambaro. Alors, vas-y. Okidoki. Alors, cette fois-ci, casse un pan. Oups, oups. Oui, s'en prend la tête. J'adore comment il court. Attends, concentration. Mais faut pas se faire taper pendant ce temps, c'est ça? Ah non, c'est bon. Ça y est, là, je l'ai utilisé. Frénésie. Vas-y. Banzai, banzai. Ouais. Ah, mais il est beaucoup plus fort, là, tout d'un coup. Faudra qu'on lui fasse faire un challenge no level up un jour. Qu'est-ce que c'est que ça, NKL? Ça veut dire réussir le jeu sans monter de niveau? C'est impossible. C'est qu'il gagne de l'XP même s'il combatte pas. Ah, c'est vrai, Bloombox, j'avais remarqué ça. Niveau 2, allez, au moins jusqu'au niveau 3. Et après, on y retourne. Déjà, je le maîtrise un peu plus avec Frénésie. C'est vrai que je l'ai pas utilisé, alors que c'était ce qui m'avait été expliqué. J'étais un peu bête. Du coup, tu peux aller taper du mob plus fort, ton autre familier, ça ferait monter ton hostilité quand même. C'est vrai aussi. Je vais faire ça, tiens. Je vais t'écouter, Bloombox. Blocks. Blorb, 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 blorb. Nice. Bonjour Noctoma Sky, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui arrivent. Ok. Attends, c'est par où? Par là. Oh, cette musique. Elle est tellement belle. Et n'hésite pas à me dire si la musique du jeu est pas assez forte. Je la remonterai. Ch'touin! Il s'enfuit! Il s'enfuit! Ah, il s'est enfui. Il s'est disparu. Et il a disparu. Disparu! Ah, il y a des bébêtes là-bas. Bon, ben, pas de live pour moi. Ah, Diel, tu as pas une connexion telle que tu pourrais regarder en bonne qualité? J'en suis désolée. Normalement, ça devrait arriver dans pas longtemps. De pouvoir changer la qualité du live. J'ai très hâte que ça arrive. Allez, vas-y, moi je veux un peu de concentration. Ouais! Oh là là, comme il en met la misère maintenant. Lorb, lorb, lorb. Voilà. Un peu faible la musique? Ah bah attends, je la remonte un petit peu alors. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Salut Xeros, salut tout le monde. Ah, quelqu'un me dit c'est bien comme ça la musique. Je la mets un petit peu entre les deux. Voilà. Un tout petit peu plus forte. Je la mets attends. Un tout petit peu... Voilà. Là, ça devrait être parfait. Allez, lui, et après on va aller attaquer les souris. Je peux te conseiller d'aller dans les égouts, même si les montres sont plus fortes, tu gagneras plus d'XP. Bah oui, mais je suis mort tout à l'heure, Vilink. C'est surtout ça le problème. Faut que je fasse plus la vératique, par contre, j'y pense pas assez. Nice! Les orbes, les orbes. Ah, trop loin. J'avais une théorie comme quoi Red Fanny était en fait une succube ayant manipulé Atomium à des fins destructrices. Ce n'est pas une théorie, c'est la réalité, Etchia. Niveau 3, bah c'est parfait. On avait dit on attend le niveau 3, et bah voilà, c'est parfait. On est niveau 3. On va aller pouvoir taper des la souris. Ça c'est le moment où je vais vous raconter ma vie. Mais du coup j'ai un ami qui est aussi un voisin, à qui j'ai prêté le chat donc pendant 4 jours je crois. Et c'était long. C'était long sans mon chat, c'était trop horrible. Mais il avait des souris. Du coup je pense que rien que le fait qu'il y ait un chat, les souris elles ont senti... Elles ont vu,
Et elles sont venues, elles ont vu, elles ont senti, elles se sont fait la malle. Là, c'est le pouvoir de Mugi. Mais je sais pas si je le referai, j'avoue qu'il nous a trop manqué l'assoyage du matin sur le visage. Ça m'a manqué. Parce qu'en fait, le matin, mon chat Mugli, il s'assoit sur mon visage. Il fait genre... voilà, et je me réveille la tête dans les poils. C'est assez agréable. Mais j'avoue que ça surprend le début. As-tu pensé à nourrir tes familiers? Ah, c'est vrai, Viling, j'y ai pas pensé. Je peux le faire. Salut, Nervous Sensei. Alors, attends. Je crois que c'est là-dedans. Je crois que je peux lui donner des friandises. Attends, je regarde... Oui, je peux lui donner friandise. Tiens, un gâteau. Ah, comment je fais? Je peux pas? C'est bizarre. Attends, peut-être qu'il faut que j'aille dans la ménagerie. Ah oui, d'accord, c'est là. Essayons. Ouais! Et avec ça? Une barre de chocolat. Ouais, je crois qu'il aime le chocolat. Alors, comment je fais précédent? Voilà, parfait. Ookidooki, est-ce que tu aimes les gâteaux? Cram, 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 cram. Ah, moyen. Et les tartes? Est-ce que tu aimes les tartes? Est-ce que tu aimes les tartes? Ah, bof. Bon, d'accord. Bon, c'est toujours ça. Bon, en tout cas, ils sont un peu plus contents. Donne des crêpes Nutella à Fanny. Ah, Naru-sensei, tu sais comment me parler. Ok, par contre, j'aurais dû sauvegarder, attendez. Arrêtez de faire des bêtises. Par contre, j'avais dit que je faisais une pause. Bah, je sauvegarde et je fais une pause. Alors, attendez. Tac. Non, c'est pas ça, c'est ça. Oui, on va y arriver. Sauvegarder. Oui. Oui, je veux sauvegarder. Fanny se réveille avec la tête dans le cul au sens propre comme au figuré. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu ça, Théodrème. Ok, bon. Alors, attendez. Par contre, je remets pour voir la musique. Voilà. Du coup, c'est tout bon. Eh bien, je fais une toute petite pause histoire de pouvoir couper la VOD et on se retrouve dans même pas 5 petites minutes. Et cette fois-ci, on va taper de la souris et on va réussir enfin à passer... voilà. Eh bien, je vous dis à tout de suite.